Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons aujourd'hui nous rapproche déjà des joies de Noël. C'est pour cette raison que la tradition catholique l'appelle le dimanche Gaudete. Gaudete qui signifie « Réjouissez-vous » est une bonne nouvelle que nous allons retrouver tout au long des textes bibliques de ce jour. Dans la première lecture, Isaïe nous révèle les merveilles du salut à venir. Il s'adresse à un peuple qui a beaucoup souffert après avoir passé 40 ans d'exil sur une terre étrangère. Ils vont pouvoir revenir chez eux. Ce retour est présenté ici comme une source de joie, justement parce que Dieu ne peut accepter la situation tragique des exilés, des prisonniers et des populations asservies. Dieu décide alors de changer des choses. Mais le texte biblique utilise ici le mot « vengeance ». Or, nous devons savoir que la vengeance de Dieu n'est pas de punir ni d'écraser. Pourquoi? Justement parce que quand Dieu intervient dans notre histoire, c'est d'abord pour guérir et sauver. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous parle de la venue glorieuse du Seigneur en précisant que ce n'est pas pour tout de suite. C'est pourquoi il nous invite à la patience en nous donnant l'exemple du cultivateur. Quand ce dernier a sémé, il attend avec patience l'heure de la moisson. De même, c'est avec de la patience que nous devons nous préparer nous aussi tout au long de notre vie à cette rencontre définitive avec le Seigneur. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit que la bonne nouvelle est annoncée à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été incarcéré car il gênait les autorités de son époque. Et donc, du fond de sa prison, il réfléchit, il se pose beaucoup de questions sur Jésus, car ce qu'il entend dire de Jésus ne correspond pas à ce qu'il avait annoncé. Il profite alors pour demander à ses disciples d'aller poser la question la plus importante à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Chers frères et sœurs en Christ, comme Jean-Baptiste, nous pouvons aussi être enfermés dans nos doutes, enfermés dans nos questions. Nous pouvons aussi nous enfoncer dans des certitudes qui ne sont pas des vérités évangéliques, car trop souvent, nous nous faisons une fausse idée de Jésus. Or, Jésus sera toujours bien au-delà de tout ce que nous pourrons dire ou écrire de lui. Justement, c'est pour cette raison que si nous voulons être en communion avec ce Jésus Sauveur, nous devons nous ajuster à lui en allant vers celui qui souffre, celui qui a faim, celui qui est isolé. Car à travers eux, c'est Jésus qui est là et qui nous attend. Et donc, si nous avons compris que c'est avec Jésus que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, ce dimanche sera réellement celui de la joie. Bon troisième dimanche de l'Avent à tout le monde et que Dieu vous bénisse.